Yo les gens, c'est Skywhite et j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve directement pour une toute nouvelle vidéo sur Elder Scrolls 3 Morrowind. C'est évidemment la suite de la vidéo précédente. Tout simplement. Ou dans cette vidéo là, on va essayer de voir un peu ce qu'on peut. Ce qu'on peut proposer comme gameplay. Je vais essayer évidemment de revenir en arrière, faire ce qu'on n'a pas pu faire justement parce qu'il y avait des items qu'on était en train de perdre et moi ça me. Ça me tend un peu. Continuez, je vous prie. Je me sens un peu obligé. Je me sens un peu obligé de revenir en arrière, etc. De à chaque fois en fait. Bah oui, bon. Continuez. Je vais vendre un peu ce que j'ai en trop. Parce que je dois avoir des petits trucs en trop. Alors, hors du vendeur 0, on va attendre 24 heures et on va revenir en arrière évidemment faire ce qu'on n'a pas pu faire dans l'épisode précédent. Marchander, alors. Voilà, donc là on va pas aller dans ce. Là on peut aller dans divers, essayer de voir si on peut pas vendre ça par exemple. Je demande pas ton avis en fait, hop, on va essayer de vendre. Bah ouais, moi je suis un addict, hein, c'est comme ça, j'ai toujours fait ça pour tous les. Pour tout ce genre de jeu, donc forcément je me sens un peu obligé de devoir le faire là-dedans aussi. Du coup bah effectivement on se retrouve à attendre comme des cons mais je peux pas m'en empêcher en fait. Et on va pouvoir du coup retourner faire la même chose en fait hein, évidemment mais là, je suis en train de me demander si c'est une connerie ce que je suis en train de faire là. C'est quand même des noms. Je comprends pas bien ce que tu me veux, la tenue. Je me renverrai 3000 pièces d'or en trichant. Parce que même si on est des connards, ça je valide bof. Alors, tac, tac, tac. Tac. C'est vraiment falloir que je trouve un mode pour faire ça. Parce que c'est vrai qu'attendre comme un con à chaque fois, c'est un peu long. Je pense d'ailleurs c'est le truc que je vais faire. Alors peut-être pas dans les prochains épisodes, mais rapidement. En fait, oui. Je me dis, je vais directement pouvoir faire ça. Ça me permettra de vendre en fait à la à balle. À pas faire cette astuce qu'au final je fais. J'avais dit que je ferais pas des petites modifs sur le jeu, etc. Mais c'est chiant quoi. Non, donc là, vente max, tac, on propose.
Parce qu'au final, on passe notre temps à faire ça. Pardon? Quand j'ai vu le truc, j'ai fait quoi? Évidemment. Ok. Bon, on augmente un peu le prix. Alors, tenue. Je pose ça, je pose ça, ça je garde, j'aime bien, ça je pose, ça je pose, ça je pose, pose, ça je pose, ça je pose. Là, et là on est redescendu un petit peu, c'est quand même pratique. Et du coup on va pouvoir repartir. Pour refaire en fait hein, ce qu'on a fait là, typiquement. Bon ça, je suis un peu en mode bombe, c'est pas non plus la dingue quoi. Alors je crois que... Est-ce que toi tu peux m'emmener quelque part? Bah non, tu ne me sers à rien. J'avais problème. My bad. Plant and run, ok. Je vois ça. Oui, on se souvient bien de ce genre d'endroit. Du coup, on est parti là pour une vidéo de 2 heures. Je pense que je vais faire 3 vidéos d'affilée. Je vous ai dit pendant en fait ce genre d'événement, j'aime bien. Profiter, donc jouer. Jouer pas mal. Surtout comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien avancer quand même sur. Donc voilà, on va faire ça, on va faire le truc qu'on a en face et qu'on n'avait pas fait, on va avancer, et en fait ce qui est chiant c'est qu'on rien qu'en faisant ça on va déjà être au max en fait. Ouais, vous voyez, ça... Je trouve ça un peu chiant, ça. En quelque sorte, il y a une obligation. En quelque sorte, du coup, il y a une obligation. Thank you.
ouais, je trouve ça un peu, bon, un peu moyen quoi. Après, c'est très personnel encore une fois, mais. Ouais, je sais pas. Est-ce que j'avais. Ouais, j'ai dû aller plus loin, je pense. Le fait de devoir recommencer à chaque fois, que tu te barres quelques temps, les mobs y repop. C'est un peu chiant perso. Du coup, ce qui me plaît moyennement, c'est que t'es obligé de faire le. Limite, t'es obligé de les faire en une fois les niveaux, ne plus jamais revenir. Et c'est un peu chiant. Ça, je trouvais ça pas trop mal, du coup, évidemment, dans. Bah, dans Oblivion même, hein. Dans Oblivion. Quand Encore une fois, ça c'est des trucs que j'ai pas de nostalgie, donc en fait je constate juste. Après, ça me fait marrer de voir que. Qu'évidemment. Qu'il y a des défauts. Bon, t'es en train de me dire que c'est que ça. C'est pas grave, mais. Vraiment que ça quoi. Ça me paraît un peu petit mais bon. Peut-être des trucs que j'ai pas forcément capté. J'ai chopé une carte en fait, donc je me dis bon. Ouais. Hop, là maintenant on va pouvoir aller en face. Ouais, c'est ça que je trouve un peu chiant, c'est qu'en fait je reviens en arrière pour refaire 2-3 trucs et repartir, etc. Alors que dans Fallout je faisais ça, mais chaque round du coup j'étais pas obligé de le faire en fait en boucle comme ça. Et du coup ça rendait pas pareil, je trouve. Après, bon. Et puis là c'est un peu comme les quêtes. Là on me dit oui, tu verras, les quêtes des mages elles sont pas exactement. Aussi répétitive, ouais bah. J'ai envie de vous dire si c'est super répétitif, pareil.
écoutez, vous avez bloqué la porte, j'ai même pas envie de me battre avec vous. Fallait fallait pas bloquer la porte quoi. Mais putain, vous faites chier. C'est pas pour être méchant quoi, mais ça sent quand même que c'est un jeu avec des boomers. C'est pas grave, hein, mais. Ce que je trouve assez marrant, c'est que autant les loots sont relativement aléatoires, autant on peut sentir que. Le fait que les ennemis ne te suivent pas, c'est bête, mais ça. T'as un peu. Alors là, je crois que je suis en train de voir un casque. Ouais, alors j'ai vu pas mal de joueurs jouer cette merde. Cuirasse liée. Ok, bon, je suis pas un. Je pense pas que je suis typiquement le genre de joueur à jouer ce build, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc, oui, ce que j'aimerais bien c'est terminer. J'aimerais bien aussi lancer Fallout New Vegas. Je sais pas si j'ai le temps de le faire avec Morrowind. Morrowind prend quand même beaucoup de temps. Hein. Là, je suis en train de faire pas mal d'épisodes. Je pense en fait notamment à Oblivion. Oblivion, après, je crois 40 épisodes ou 80 épisodes, je sais plus. Si, je crois 40 épisodes, il me semble. Et 40 épisodes, ça peut paraître anodin dit comme ça, mais en vrai, c'est fat quoi. En vrai, 40 épisodes, c'est assez fat. C'est pas le truc que tu fais en. C'est vrai que ça va relativement vite. Oblivion, je crois que j'avais. Non, mais attaque-moi pas, attaque-moi pas. Je te laisse tranquille, moi, je te laisse tranquille. Voilà. C'est vraiment pas sympa. Alors. C'est du cool, apparemment. Aussi j'ai envie d'aller à gauche. Quand tu dois avoir 100 de vitesse, tu dois être bien face aussi. Oh. Merde. Allez. Pas toi, salope. Ah oui, hein. Ça pique. On prend tout. On met de sacrées castagnes. Ok, j'avais tout pris justement là où je m'étais barré, donc
à droite. Je vais juste aller faire un petit tour à droite. Histoire de m'assurer qu'il n'y a pas de y a personne. Qu'est-ce que tu branles, putain? Oui, bouffe-moi tes... bouffe tes coups de massue et ferme ta gueule. Combien pour évoluer? 5, ok. Que Félène Marion de Balfocette pose la matin. Ouais, je me sens un peu con, je suis revenu juste pour ça. Est-ce qu'on serait pas fin de la gueule? On map. Telbranora. Alors, où est-ce que c'est que cette merde, Telbranora? Oh les fils de pute. Bon, dites quelque chose, ou allez-vous-en. En fait, elle est là-bas. Oh là là, les connards. Qu'est-ce qu'on se fait chier là? En fait, la meuf elle habite là-bas. Comment je peux le savoir? C'est marqué nulle part. Putain, il y a une super map là qui est en ligne. Mais elle est bien foutue. Donc c'est à Telbranora. Alors normalement, il y en a un. Ouais, la map est titanesque. Hein. Ah non, mais la map est vraiment immense. Hein. C'est assez déprimant. Mais bon. Ce qui est fou, c'est de savoir qu'il y a des petits trucs partout, quoi. J'ai l'impression que j'aurais jamais terminé.
cru que qu'on allait se battre. Dommage de baiser en vrai. En vrai cool hein, j'aime bien le fait de tomber sur des petits trucs comme ça. Je me dis les gars ils ont vraiment du kiff à le faire. Ils ont vraiment du kiff à faire ça. Ouais, je suis assez impressionné par par l'utilité de la lévitation effectivement. Qui en fait est absolument primordiale. Save, parce que j'ai pas envie de choper des merdes. En fait, si c'est pour me dire que j'ai chopé la maladie de ma bite, chiant quoi. Encore ? En vrai c'est une dinguerie. Ouais c'est une singerie de se dire qu'à chaque fois il y a une putain de caverne. Je suis assez choqué quoi.
Allez, allez, fils de pute. Oh! Oh, ça fait de pute! Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Hmm. Oh là là! En vrai, je trouve ça assez dingue de dire que sur chaque putain d'île là, tu vas avoir un truc à faire. C'est assez fou. Non mais vous vous rendez compte ou pas? C'est dingue, en vrai, il y a tellement de trucs à faire. Je suis assez choqué quoi. De savoir que la mort est proche. Je sais pas, je te demande. Je te demande, connard. Voyons ce que vous savez. Prenez-vous, et je vous laisserai peut-être la nuit. Et ouais, juste le fait que les ennemis repop, et du coup les trucs, faut pas les faire deux fois quoi, c'est un peu bon. C'est un peu sus quoi. Qu'est-ce que tu veux? Hop là, hop là. Ah oui hein, ça picote. Ok. Merde, je me suis fait prank par ça. Tac.
Oh, bon bah écoutez, c'était pas forcément nécessaire. Ouais, mais là je les ai posés en fait. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Oh, il y a plein de tenues. Bon, d'ailleurs, bien. Oui. Que voulez-vous? Hop là. Ouais, c'est assez insane, non? C'est assez insane.
Ouais, je suis trop content, je vais pouvoir mettre un petit réveil à midi là. Suis refait. Hop. Donc je mets quand même un réveil à midi histoire de me réveiller quoi. Ouais, je pourrais même ne rien mettre mais bon. Ouais. Ça va être là-bas, ouais, ça va être là-bas. D'y aller, lui voler son bâton et puis on va se tirer. Et comme ça on aura enfin fait, ça me termine à chaque fois, il me faut 4 heures pour faire deux quêtes. Et en même temps je fais tous les trucs sur la route, alors forcément ça prend pas mal de temps. Je serai plus rapide quand j'aurai quoi faire. Forcément ça prend un peu de temps. Peut-être faire la quête principale aussi, j'ai un peu oublié de quoi elle parlait. Bah, attendez, j'ai mon téléphone, je suis trop con. Bloc-notes. Ouais, c'est bloc-notes. C'est fou de voir noter les 4 guides des voleurs. Voler un bâton. Ok. Ça, je vais l'avoir, la guide des voleurs. Tac. Et mission d'escorte des guides des guerriers. Je la délète aussi. Puisqu'on est bon. Ouais. Juste aller voir un petit peu le prêteur sur gage, à moins que ce soit elle qu'il faut que j'aille voler, non? Ah, peut-être parce que j'ai du sucre de lune sur moi, je pense. Pas de problème. Marteau de la sixième maison. Ah ouais, genre même ça, c'est un peu... Oh putain, et oh, chier. Il est où mon Skooma? C'est une potion mon Skooma? Oui, oh, voilà. Désirez-vous. Hein? Ok. Alors. Quel bonheur, bordel. Enfin, un vendeur qui a un petit peu de... qui est pas tout seul, quoi. Hop, je vais continuer de marchander. Est-ce que par pur hasard... C'est combien? 1500? 1500, on est bon. Ok, niveau des tenues on est bon aussi, niveau de la magie, bon ça, ça change pas vraiment. Pareil là, on va essayer de continuer de marchander, tac.
Encore une fois. J'ai juste attendu. Alors. Felen Marion. Alors, est-ce qu'il y a la baraque de Felen Marion pas loin? Ok. Je tapais son blaze sur internet. J'ai vu qu'il ressemblait un peu à une meuf qui allait dormir dans une auberge, donc je me dis pauvre. C'est le problème avec là-dedans. En quoi puis-je vous aider ? Dites ce que vous avez à dire, ou allez-vous-en. Dites ce que vous avez à dire, ou allez-vous-en. Vous parlez trop.
Quoi que vous cherchiez, je sais que je ne pourrai pas vous aider à le trouver. Salutations. Je vais tuer ce boire, mes bottes sont fichées. Vous parlez trop. Dites ce que vous avez à dire, ou allez-vous-en. Dites ce que vous avez à dire, ou allez-vous-en. Ouais, ça me termine une fois qu'on a compris comment ça marchait. Alors, appel d'ombre liée. Qu'est-ce que ça peut bien être, ça? Ok. Vous avez éveillé mon intérêt. Faites-moi pas. Je vois que je suis en excellente compagnie.
super soif. Je vais juste après. Mais attendez, je vais juste aller boire un coup. Bienvenue. J'ai vraiment trop soif là. Normalement, je vous emmène avec moi. Et là, je. Ouh. Je suis désolé. J'ai vraiment besoin de boire un petit peu. Alors. On travaille aussi ça. Ok. Alors, promotion. Ah, c'est cool. Est-ce que tu as du travail pour moi? Tel Naga, Cédric Moura. Ah, vous amenez la chance à l'autre. Ok, donc ça sera le truc qu'on fera potentiellement tout à l'heure. Et on aura fini normalement la mission de la Guilde des voleurs. Donc c'est... Unger... Poste à Tel Naga, autour de Cédric Moura. Alors est-ce que j'ai déjà... Moi je connais où est Cédric Moura ou pas du tout. Ouais bon bah on verra. Ok, apparemment il est pas loin. C'est là en fait ça nous demandera. Morwin. Maintenant, poste sa tête loin, autour de Cédric Moura. Je me demande si elle m'a entendu. Alors, hop. Hop, promotion, bandit. Ok, donc il reste encore les missions du joaillier. Okay. Alors il m'a donné un petit anneau. Télékinésie, ok, c'est marrant. Alors j'ai gardé le bâton, bon, c'est pas... Oh my bad. Alors... Donc on est là, maison de France. Moi
Morakton, ouais, on connaît la Morakton. Truc que je compte faire plus tard. Ah, ok. Ça, je le flingue. Puis-je faire quelque chose pour vous ? Ok, ouais, les deux emmènent au même endroit, il n'y a pas le choix. Putain, il n'y a pas un truc pour descendre à côté, je suis un peu perdu. Vous parlez trop. Je ne peux vraiment pas vous aider. Oui, que désirez-vous ? Vous parlez trop. Oui, monsieur, vous plaisantez. Allez déranger quelqu'un d'autre.
Oui, que désirez-vous ? Oui, que désirez-vous ? Vous auriez dû énerver un autre boss. Attendez, je vais juste te remettre en arrière parce que je voulais juste vérifier que ce soit normal. Si les mecs se suicident, apparemment ça l'est. Le problème c'est que... Je vais vous tuer. Donc, tu ne vas rien faire, tu vas juste crever comme une merde.
Je vous écoute. De quoi avez-vous besoin? Bah écoutez, c'est génial. C'est vrai que je trouve que je le joyais de l'autre là. Parce que après j'ai les quêtes de l'autre à faire. Que c'est intéressant. J'adore. Passez votre chemin. Je suis très heureuse de que j'ai devant les yeux me parler sans détournement. Que me vaut ce plaisir? N'hésitez pas à me parler si vous le souhaitez. Les dieux vous bénissent. Ok. Toi, nous voilà. Hop là. Que voulez-vous?
Ah, par contre, pourquoi j'ai 208? C'est quoi, c'est lié à quoi cette merde? Ok. Ouais, là, ce que je vais essayer de voir, c'est si je reparle à la guilde des guerriers, est-ce que j'ai fini toutes les quêtes? Qu'est-ce qui vous amène ici? J'imagine que vous voulez quelque chose. Alors, je vais ajouter dans les fichiers, non pas dans les fichiers mais dans le bloc-notes, les quêtes que je viens d'ajouter, donc Moro. Donc, guilde des guerriers 1, on va avoir mine d'œuf de Poudaille et guilde des guerriers 1. 2 et ça va être Nord-Est de Pelagiel. Tue des orques. Voilà, globalement, on va voir les deux. Alors, Pelagiel, c'est pas super loin, je crois. Donc, à la limite, je pourrais y aller à pied, quoi. Voilà, ouais, ouais. Fort, fort. C'est où Pelagiel? Pelagiel, est-ce que limite je pourrais y aller à pied? Enfin, à pied. Est-ce que c'est qui le mec? C'est J. C'est Arvel Alof. Donc ça va être à Pelagiel. Donc en vrai de vrai, Alof l'Oriental. Nord-Est de Pelagiel. Ok. Au nord-est. Alors, Pelagiel, c'est... Ouais, bon, écoutez, si je vais... Là. Pelagiel, ouais, donc c'est bien avec. Ouais.
Ok, donc là, c'est Pelagia, donc c'est au nord-est. Alors moi, j'ai jamais compris où était le nord-est. J'ai l'impression d'être complètement con. Claire à voir. Donc, bon, on va au nord. Alors, le nord-est, j'ai jamais compris dans le jeu. J'ai l'impression que je confonds le nord, le sud, comme un con. Pour moi, le nord, c'est en haut, en fait. Et ça a pas l'air d'être le cas. Donc là, ça, on connaît. Oh, mince, non! Ouais, j'ai l'impression que là je suis un peu trop loin. Je dis, moi j'ai l'impression de confondre. Être bien loin. Ouais, en fait c'est ça, le nord c'est le sud. C'est assez choquant je trouve, mais... Pas bien l'air d'avoir l'avantage, hein. T'as plus l'air d'être mort en fait. Je vais pas te mentir, un mec mort. En général, ça a pas trop l'avantage de rien du tout, hein. En vrai, ça me termine de refaire le. Ça serait marrant limite de refaire le jeu parce que je me dis là tous les. Un arc quand même qui commence à être un peu puissant.
c'est vrai que c'est assez marrant de se dire que depuis le début, en fait, t'as des items qui sont juste à côté et en fait, on n'y a jamais fait vraiment attention, quoi. Et là, pareil, tu vois, c'était typiquement un truc, je pense, pour le début de jeu, etc., avec beaucoup de trucs à rechercher. Puis on n'a pas vraiment profité de ça, quoi. Mais bon. Mieux vaut tard que jamais, hein. Jump. Ah, c'est peut-être là-bas. Je suis jamais là. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée là? Ah, dites ce que vous avez à dire. Laissez-moi.
Alors, d'où venez-vous ? C'est Vivek ça là? Ouais, c'est insane de pouvoir voir Vivek d'ici. Hein. En fait, je suis en train d'essayer de chercher la cabane. D'accord, j'ai évolué. Do 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 do
qui est au nord d'ici, donc ça va être potentiellement ça doit être un là-haut. Ok, là on voit qu'il y a carrément deux trucs à faire, donc c'est plutôt cool. Thank you.
D'accord, mais faites vite. Que voulez-vous ? J'espère que c'est pas... J'espère que c'est pas la personne qui est tombée dans le vide.
C'était peut-être sympa, mais dans le doute. Allons.
Et comme ça après je peux rentrer, je peux sleep-ed. Que vous voulez quelque chose. De quoi s'agit-il ? Alors, 8 d'agilité, ça va faire. Ça risque de faire 4. Et du coup, là, il va juste me falloir. Il va juste me falloir un peu d'intelligence, un peu de rapidité. Et on est go. Bonjour. Alors, intelligence, il va me falloir 6. Ah, bah attends. 2. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire appel à moi. Comment allez-vous ? La dinguerie, putain, la dinguerie. Enfin ça en agilité. Donc la rapidité, personnalité, chance. Ça va être assez OP. Bien le bonjour. Souhaitez-vous jeter un œil à mes sorts ? Donc là, armure intermédiaire. Ouais. Armure intermédiaire. L'attention. Donc là, c'est assez OP. Et ensuite, ça va être la chance. Donc ensuite, là, il va falloir 10 niveaux de plus pour gagner 10% de chance. Donc ça va être un peu long quand même. Mais bon. Tout le plaisir. Eh bien, je vois que je me retrouve en plaisante compagnie. Je vous en prie, faites-moi partager le feu. Ah, ça j'aime bien ça, quand tu fais déjà les quêtes parce que t'as déjà fait ce qu'il fallait faire.
là j'ai fait tout ce qu'il y a à faire dans cette ville en vrai, donc c'est plutôt propre. Voilà, j'aurais... Alors il est 46, je sais pas quelle heure. Attendez. Nous faisons le trajet juste pour vous et le prix reste toujours aussi bas. Si je vais dans le bloc-notes. Hop, je peux dégager ça. Donc là, il en reste la guilde des mages, la guilde des guerriers. Faites à quel sujet ? Ouais, ce que je me dis qu'on peut faire. Merveilleux, bienvenue. Marmite du rat. Parce qu'ici on a aussi des guildes, notamment trois guildes qui peuvent être intéressantes de faire, qui vont permettre de step up. Oh, bienvenue. Hop, guilde des guerriers. Allez à Vas. Ok. Ah oui, c'est là-haut, ok. Oui, que désirez-vous ?
Hop, guilde. Des mages, des voleurs. Tantôt du diable. Alors, un drap d'abreu. Guilde mage d'un. Alors. On n'est pas. Ouais. Avez-vous besoin de quoi ? Cela ne va plus tarder. Oh, bienvenue. Oui, en effet, moi fallait pas me faire un petit truc comme ça. Je te pille tout ce qui existe. Évidemment, j'ai déjà tout pris. Merde.
Que puis-je pour vous ? Je suis toujours. Y a pas un mec un peu fourre-tout là, quelque part ? Ah, si, là-bas, y a un prêteur sur gage. Prêteur sur gage, en général, t'achètes un peu tout ce que tu lui donnes. Je parle pas beaucoup parce que je suis en train de tout vendre en fait. Tourner. Là on est un peu léger, on va pouvoir prendre des livres, les vendre aux bouquinistes. Ah oui, il faut pas rater une opportunité où je peux voler un endroit où qui est censé être relativement bien gardé quoi. On commence à taper des jumps mon gars. On a tué un mec, c'est quand même triste, mais bon.
puis-je pour vous ? Promotion, petit boulot. Hop. Oui. Donc là, je vais aller voir le prêteur sur gage et le bouquiniste, on va essayer de vendre un petit peu tout. Le prêteur sur gage qui est juste à côté normalement. Serait-il possible d'abréger ? Ferme ta gueule. Et lui, on va lui vendre des armes. Alors. Alors, là il faut que j'aille au manoir à Robar, donc ça doit être là-bas. Mes missions où tu voles... Alors le but est d'avoir un casque redorant. Très bien. Thank you.
Serait-il possible d'abréger? Serait-il possible d'abréger? Serait-il possible d'abréger? Serait-il possible d'abréger? Qu'y a-t-il? Serait-il possible? Que voulez-vous? Que faites-vous ici? Serait-il possible d'abréger? Serait-il possible d'abréger? On se connaît? Serait-il possible d'abréger? On se connaît?
La fille d'un conseiller. Je sais que vous avez. Ok. Elle est où cette auberge là? Enfin, on va peut-être arrêter nous de jouer, là, je commence à fatiguer. J'aime bien à chaque fois vu que je prends tout. Vu que je prends tout, il n'y a pas vraiment de surprise. Chercher un livre à Margan. Ok, donc là on risque d'avoir du boulot quand même, hein. On risque d'avoir beaucoup, pas mal de boulot. Dans le prochain épisode, en tout cas demain, puisque demain c'est demain que je compte jouer pour pouvoir faire ces missions. Je compte aussi peut-être faire un peu la mission principale, on peut essayer de faire ce genre. Hop, en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi j'ai vraiment kiffé avec vous, je suis un petit peu fatigué, c'est pour ça que je parle pas beaucoup, mais c'est quand même super cool, j'espère en tout cas voilà que ça vous a plu, et tout simplement, on se dit à la prochaine vidéo, bye!